mis ça on a 1 jusqu'à 16,5. Vous voyez, pareil. Il est dans ce pays. 1 plus 4, il y a dollars, na 45. Mouzito était premier ministre. Na Kabila. Ce sont eux qui ont pris les dollars de 45 jusqu'à 7,5. On n'en parle pas. Ce que ceux qui toquent en termes, il y a un pourcentage. Vous calculez. Vous allez voir combien de pourcents. La justice ne fait pas son travail. Nous allons faire pression, demander à ceux qui les jugent et tant d'autres là qui seront impliqués dans le détournement ou la corruption ou je ne sais pas quoi, qui soient déférés devant la justice ou bien démis de leurs fonctions. Très heureuse Yakoueba que vous allez éveiller à Colonabus en travers Congo Live, votre émission préférée, un salon de réflexion. Et monsieur Lemnoy, le Mélapanning, Ning, l'actualité à la République démocratique du Congo. Alors, le lot sur mon plateau, je vais recevoir le président Justi, Naye Torosso Labongo, Nafo Estali, voyage à Ndeko Martin Fayoulou, Wazabongo Nibane Mboka, et puis Tokobet, le Soussou Bamassalou, Nafo Estali, Manto, au déjà troisième jour, au Estali, région des zones à République démocratique du Congo, tout ça, la Maïté. Alors, na président Justi Tokobet, Bamassalou, je dis bonjour, président Justi. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, et je tenais également à vous féliciter. Okay. Et je comprends comme c'est le mois de la femme. On fait l'honneur à toutes les mamans qui nous ont mis au monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est en fait tout le long de ce mois, c'est votre mois. Nous sommes là, nous sommes disposés à pouvoir répondre à toutes les questions que vous aurez à nous poser. Merci, Président Tutsi. Voilà, présent, je suis dit que 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 je suis pas de son parti. Okay. Et Sidé, qui est à peine... Ah, pour certains, où tu connais Barasiko, du moins, moi j'ai connu son parti parce qu'il venait beaucoup, quand bien même il venait seul, des fois deux personnes, dans le siège à IDPS. Moi en tant que président, vice-président, il y a cellule Batété, il y a commune, il y a Gombe, il y a IDPS. Je ne peux que lui souhaiter toutes les bonnes choses. D'ailleurs, nous on voulait qu'il abandonne. Ce qu'il commence à faire maintenant, il aurait dû le faire. Et quand il avait plus de moyens, au lieu d'être là, en train de chanter, danser par-ci, par-là, pendant que son parti n'était pas implanté à travers la capitale, en son temps, d'ailleurs avant que Babem, Manaba, Moïse et tant d'autres, va choisir, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Si Fayoulou est devenu ce qu'il est, quelque part, il y a des gens qui l'ont appuyé, ça là qui est Azala, Neng Azali, parce que rien ne peut justifier la force qu'il a eue. Bon. Ça peut se justifier dans le sens où Bema lui a donné l'argent et les gens, Moïse même, et tant d'autres, mais du moins ils ont compris que le temps était arrivé pour que Bamekako, que ça la chemin à Bango, quand bien même Bazaba parmi Bato, Basala, la Mouka. Mais c'est bien beau, à continuer, parce que nous allons vers les élections, à continuer à se limiter à Kounaté. À ça, la grand Équateur Mobimba, grand Bandundu, à Kendepe, grand Kassai, Est et Kuna, partout, qu'ils prennent aussi le temps pour implanter parti. Parce que Tobo, il est sous aventure. Hein? Tobo, il va aventure, élection, c'est dans peu de temps. Cette année, c'est l'année préélectorale, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Et comme nous allons, et la CENI, la Commission nationale, il y a un recensement, toutes les opérations vont se faire concomitamment, du moins pour la première fois, tu recommandes la carte, vous avez grand la carte d'électeur, cette fois-ci, on aura les cartes, et on n'aimerait pas, et comme à l'issue de l'aventure, Netoyao, président élu, on a volé ma victoire, non. C'est le temps, quand bien même, je crois qu'il est un peu en retard, mais nous l'encourageons, nous le félicitons, parce que c'est un Congolais, après tout.
et nous osons croire qu'il sera à la hauteur. Parce que Bissot, tu as déterminé cette fois-ci, Pachi, 85%. Ça, la blague. Nous espérons qu'il sera à la hauteur. Si ça ne va pas, il est libre. Il y a un présentateur comme qui est député. Parce que vous, à l'endroit, je suis en tout. Non, papa, si tu crois que tu ne seras pas, mais là, ils ont un ciment, on attend la députation, ça peut aller. Mais sauf que s'il aura la force, et les moyens, on ne sait pas d'où ça viendra, parce que l'élection de 2018, on connaît d'où l'argent est venu, en dehors, il y a les libéraux. Mais cette fois-ci, on espère qu'il aura quand même moins moyen. Il sera là, comme vous venez de dire au président Tutu, est-ce que tu peux bien regarder la caméra pour Nakoye Bissa Baïmbo Kaké dans l'élection OET pour le Canada 2018, c'est ça, bon, au président Fatih Ntaganya qui est. Mais oui, la preuve, il est chef de l'État. Mais écoutez, si ce n'est pas lui qui n'a pas, si le président Fatih n'avait pas gagné, lorsqu'on a proclamé que Mouto a gagné, c'est qui était. Combien de personnes sont sorties de maman clameur populaire. Okay. On sait voir. Un leader populaire. On sait voir. D'abord, rien que Bawewa. Il dépasse plus son de se prononcer vraiment, vraiment. Vous avez vu le nombre de Wewa. Mosiko, il dépasse la machine politique de ce pays. La machine politique de ce pays. Il dépasse blague. Ce n'est pas les aventures que Kabila a préparées ici. Après, si ma candidat n'a pas 5 000 voix par-ci, par-là. 2023, vous allez voir. La preuve, on avait 32 candidats. La poste à gouverneur, aujourd'hui, on a eu un seul. Donc, c'est pour dire que dans l'IDPS, des problèmes, on peut en avoir. Mais nous, on sait comment les arranger. Et puis, Tosongye Limassolo, on vous promet 2023, vous allez voir la machine politique. Et nous sommes très sûrs. Sur ce point-là, je suis calme de vous dire que Fatih a gagné les élections. Parce que tant que Fatih a gagné l'élection, on n'a même pas vu une mouche. Comme on a là-bas. Si vous avez gagné l'élection, papa, on va voter que vous avez. Tout ça, on va se relater. Nous, maintenant, nous regardons 2023, nous avons gagné l'élection présidentielle na députation. Nous nous sommes en train de nous préparer. Tout ça, il y a une distraction. Parce que ils ont abattu Moussous sur la lande qui ne causent la EBC et Peng. Et Peng, apparemment, ils ont préparé l'élection. Ils ont mis ça pour eux à préparer la distraire. Donc, il y a distraction. Et puis, bon, garder l'archive. Il y a tout le monde qui colle. Parce qu'on a commencé à parler depuis longtemps. Il doit se préparer. Il n'y a pas que lui. Vas-y, Bélé. Oh, on y a une ambition. De toutes les façons, on n'interdit à personne. Hein. Tout Congolais qui se sent capable d'atteindre le niveau Moko. Pas un mineur, mais hein, quelqu'un qui a déjà, je crois, ma critère est déjà défini, études faites, tout. Tout le monde peut être candidat. Parce que tu vois, il est sous ma vérité des urnes, président élu, heureusement, on ne parle plus de ça. D'abord, est-ce qu'il y aura les élections en 2023? On aura les élections en 2023. La preuve. D'abord, est-ce que Bohémi qui est Fayoulou et Kabila, même s'ils se disent, l'autre est dans la résistance, l'autre est dans l'opposition, ils sont allés voir quelqu'un pour demander des postes. Bohémi, sa président, qui va payer sa Fayoulou, dans mon ministère, va payer sa paix Kabila, parce que va monnaie. Oh, le bazar dans la télévision, ils font des bruits pour dire, oh, regardez comme les gens qui sont incohérents. Vous voyez, nous, dans l'IDPS, devise Nabiso quelque part la vision de notre leader. Actuellement, c'est Félix Tshisekedi. Avant, c'est Papa Étienne. Papa Étienne, quand il disait A, Ti A Tinasuka, voilà la constance d'un monsieur. Vous comprenez? Mais bon, t'as là, Bafaro Nava Kabil, ils vous ont raconté comme les vendeurs de vent. Combien de racontards va salir? Vous allez voir, fibre patriotique. Bon, si vous tenez ma question, je suis avec Endawa. Kadima ne va pas travailler, on va les chasser. Si on va commis, oh, 2023, il est gâté. Je vais vous dire que, franchement, ça me fait rire. Fatia Louana, on va vous mettre ça. En tout cas, na ce qui va pas en mal, mais au moins ce qui n'a l'andi, quand j'ai parlé de la cohérence, de la constance, d'abord cohérence dans ses idées,
constance dans sa façon de, d'être. En tout cas, ce qui tout ça, la discours a tout autant de délai. Au moins, il y a une élection qui est là. Il y a une élection qui est là. Il y a une élection qui est là. Si vous avez une élection qui est là, il y a une élection qui est là. Fatia a fait une élection qui est là. La preuve, ils sont allés voir quelqu'un pour dire que. Au moins, le dialogue est là. Stratégie, ce n'est pas dire que, qu'on trouve un consensus autour de Makamboa Séni. Non! Tant que vous avez un dialogue, vous avez un dialogue, vous avez une garantie, il faut que vous avez un dialogue avec Séni. À part Séni, et il faut que vous avez un dialogue avec le gouvernement. À part le gouvernement, il faut que vous avez un dialogue avec le territorial. C'est comme ça. Tokende. Parce que Fatih a prouvé noir sur blanc qu'il n'est pas venu et il n'a peur de personne. La preuve, en tout cas, au moins 90% est battu Kabila Tika Bazaliwan. En commençant par dans l'armée, tous les généraux, la plupart sont là. Du moins, les mal intentionnés comme les John Numbi et les autres. Ceux qui sont dans la police, ils sont là. Ceux qui sont dans l'administration, l'entreprise publique. Non, au moins, Fatih Ala Kisike, Azo Banga est de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, va se préparer. Donc, il y a un bon en 2020. Va se préparer, vous revenez avant en 2023. Parlons un peu en ce qui concerne l'UDPS. Le PP d'abord. Papa est un député à son âme. Quand il était en vie, il se dit vous savez qu'il faut abonner comment il est souhaité pour la bien fait, pour la abonner à la République démocratique du Congo. Depuis moi, on a eu beaucoup de vous Fatih Béton. Est-ce que, à ce temps, il semble qu'on a décidé? Oui, madame, nous sommes des réalistes. Le président a une vision. Mais les choses ne marchent pas telles qu'il entrevoit et telles qu'il le veut. Pourquoi? Je ne peux pas comparer Fatih à Jésus. Jésus, c'est notre Dieu. Mais Jésus avait 12 apôtres. Parce qu'il y a toujours des gens, des gens mal intentionnés, qui n'ont pas sa vision. Il y a certains qui pensent que Bakendara en exil, t'es à Mobutu, bien t'es à Kabila, c'est le moment pour eux de profiter. Non. Nous sommes qu'au premier mandat. Et il y a d'autres, ils travaillent, à ce Kanisa, oh, nous sommes au mandat, non. Mais, le président, là où il est, il observe, il connaît la plupart des gens de son entourage. Apaisé autant, il te fait confiance. Ceux qui ont abusé, les gens, pouvoir, j'ai toujours expliqué dans beaucoup d'émissions. Pouvoir les arrêts locaux à train, quand vous venez, ce qu'on détourne, arène à eux, on continue avec les autres. Des choses pour répondre à votre question. Comme le veut le chef de l'État. Parce qu'il est mal entouré. Non. Les gens parlent de l'entourage. Mm-hmm. On ne peut pas dire mal entouré, ça veut dire quoi? Quand vous parlez de l'entourage, vous voulez dire que c'est la présidente de la République qui dirige les mandataires publics. C'est le chef de l'État qui les a mis. Non, mais il les a fait confiance. Parce que, regardez d'abord ma communauté à Matata. Matata était à l'étranger, à l'objet, je rentre dans mon pays affronter cette justice instrumentalisée. Mais depuis qu'on a dit la justice s'est déclaré incompétent et à poursuivre. Matata ne dit moi. Les gens de Kabila ne disent rien. Là, il n'y a pas de règlement de compte. Oh, banini boyina boyé. Si tu as volé l'argent, quand maintenant la justice t'attrape, oh, on commence des arrestations arbitraires, oh, bah, règlement de compte. Oh, non. Il ne faut pas qu'on endorme les gens comme ça. Matata l'a dit, tout le monde l'avait suivi, même à RFI. Mais aujourd'hui, Matata, il n'a même jamais remercié cette justice qu'il a traité d'instrumentaliser. Qui s'est déclarée incompétente pour poursuivre. Là, on ne dit rien. Et c'est léger qu'on a compris. Moi, j'ai compris que Fayulu Nabatunaye, dans ma officine, dans Bango, leur mission, c'était de ne rien reconnaître sur tout ce que les chefs font. Ce n'est pas un problème. Mais la population est là, les gens suivent. Mais aujourd'hui, regardez la différence. Pour vous dire, il y a même des gens qui disent, oh, c'est pas différent, oh, c'est la continuité. Mais franchement, on doit arrêter. Dans le temps de Kabila, Karine, on tue Nani Rossi Mukendi. Kabila a décoré Karine.
dans le temps de Fatshi, John Numbi, Mukalai, Christian Kenga Kenga et d'autres, Babumaki Shebea, condamné. Vous voyez la différence? Je peux donner beaucoup d'exemples, c'est comme ça. Le temps de Kabila, toutes les maisons de l'État, et Kumaki, Babiro, Bahaner, Bakacho, où on arrêtait des gens. Le temps de Fatshi, va récupérer Bandakouana, va Pessi, Batou. On fait louer des maisons, va mettre fin. Le temps de Kabila, il y avait des arrestations arbitraires, prisonniers politiques, dans l'état de Fatshi. Prisonniers politiques à Zaté. Donc c'est pour vous dire que d'abord, on a Pessi comme exemple, mais ça doit. Tout qui est belé, ça va être belé. Tant on a l'objet de Makambo à Constance, tant on a l'objet de Makambo à un homme politique, il faut que quand tu sors un mot, ça peut avoir des répercussions. Deux ou trois ans plus tard, il faut pas mon que Makambo le bac est salémito et salémité. Naïe le long, chez maman, veste et ça bleu, bleu foncé. Après trois jours, naïe chez ça rouge. Après coup, naïe chez ça vert. Et mon couteau le bac vert. Pourquoi j'ai dit ça? Farou nous a dit que, regardez, hein, niveau y a ni y a. À ta banane, je crois pas qu'on s'est gagné. Faut la lobby que non, Kabila l'a suivi pour passer à la deal à Boi. Voilà un autre. À lobby, président Félix va passer à la deal na Kabila. Mais regardez maintenant, Ezane Timoutou, chef Moko Lelo, a eu à lobby à Kabila au avion au Boi. 3, 4, 6 mois après, a eu à pêcher au vélo et engageant aujourd'hui. Attends, on va voir le papa, mais on va voir l'été. Paul Anil, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous suivez, c'est depuis un temps? Suivez même dans des différentes émissions. Au moins, il y a des Kabila na Fayoulou. Ce sont les alliés naturels. Les alliés naturels. Ah, les Josephistes, tous. Avec les Mouzito, la plupart, ce sont les ayants droit de la République. La seule différence, c'est que Fayoulou a moins popularité, a moins base. Kabila a moins bon, mais a base. Au moins, les Josephistes, nos amis des manifestations, toute activité moyennant quelque chose. Parce que tu as Kabila. À ta base, il y a une manifestation, il faut qu'on m'en ait. DGTEL, DG Entreprise, GKMIN, SNCC, OFIDA, il faut pas bien avoir ça. Mais il dépasse jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on ne voulait pas dire que pour il dépasse au Zumbongo, il dépasse sur ça. Non. Ça va se faire quand bien même on sait. Dans la façon d'être, il y a eu beaucoup de lenteurs, il y a eu des abus par-ci, par-là. Mais il n'est pas dit que. Il fallait toujours qu'à Madame Koui dépasse. Il n'y a pas créé injustice. On prend les gens selon P. Mais on n'encourage pas ces retards. Mais on prend les gens selon les critères, selon les moments. Et tous les Congolais, les Congolais sont nombreux. Oh, bah si ça va classe, bah, ça va mis à la tête. Le pays n'appartient pas actuellement à l'IDPS. Il y en a qui mis ça jusqu'à. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une alliance. Ce que je voulais dire pour Fayoulou, ça veut dire quoi? Il a dit à son temps. Oh, Moïse Azonga, tu as un passeport. Moïse Azonga, tu as un passeport. Franck Diongo va retourner en prison, tu es babima. Ils sont même arrivés à dire que. Colonel Kapenda a prison privé à Kabila. Mais le Kapenda a. Ça fait plus d'un an, il est en liberté. Donc c'est pour vous dire que. Si le Lobo a comment allié Bazonga, Botala a une mission, va envoyer dans Bangon une mission. Si vous avez dit. Il y a moins Yves Bouya, des fois il parle. Mais quand tu suis les gens de Kabila et des gens de Fayoulou, vraiment même langage, il ne se rentre pas dedans. Pour vous, Kabila est parti avec le mal qu'il a fait et ils sont. Ils se sont organisés, ne pas mettre appelé Félix Tshisekedi, mais Manini Kobenga Kabila et Kobenga Joseph Kabila. Vous voyez la méchanceté? Mais ce que tu as dit, papa, on va te dire. Hein? Je ne sais pas si Joseph Kabila, mais papa, il y a Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si tu as dit. Alors, je dis, mais c'est son nom. Et il est le fils de son père. Donc, pour vous, il y a un envenimé, ni une politique, il y a un tchabouzoba, il y a un terre à terre. Tout ça, c'était, on comprend. C'était pour diaboliser le président, pour que tu aies une. Bon, pour l'instant, ma émission, il a sauté. Ça l'écoute quoi? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'être exécuté? Mais pour l'instant, il va bien avec un chilo.
Oui, le président, la preuve. Mais au moins, il est dans la vision. Il y a même, c'est comme une boussole. Azolanda. Il a parlé d'un état de droit. Il faut mettre fin à la corruption. Maman, pourquoi tu as l'animé à moi, IGF? S'il faut compter, combien de pourcents déjà? Pardon? S'il faut tout compter, combien de pourcents déjà? Sur combien? Sur 100%? Sur 100%. En tout cas, moi, je peux donner au président Félix 60. 60% déjà. Ouais. Okay. 60. Mais il faut tout comme à l'ensemble. Parce que c'est pourquoi dans 40 ans, on est Tikali. Dans 2 ans, on est Tikali, on a pour atteindre 40, on a fait ça à la 100. Mais oui, on sait voir dans la façon de faire. Au moins, tout ça qu'on déplorait côté à justice, bah tiens, moi, sérieux. J'étais en train de parler de l'IGF. L'IGF était là depuis Mobutu. Bah, tout le monde sait, si l'IGF, le président Félix a créé, non, non. L'IGF est là, quand. Lélo, au moins. Au moins, nani, n'y a pas de problème, ça livre. A commis, à l'obin, un régime, n'a pas Et ça là qui Boma, Iba, Loka, détourné, on ne va rien te faire. C'est pourquoi mon ami Babomi va chez Bé, dans le régime de Bango. Babomi Kapanga, dans le régime de Bango. Babomi Batouba, des arrestations arbitraires. Basali va prisonnier politique. Il y a eu trop de rébellions. Même après, Botala, Balobaki, oh, voilà quelque chose que je voulais relever. Balobi, oh, président Félix, depuis Aye Biloko et Matitalo. Ok, ton dimi. Le président Félix a pris les dollars à combien? À 16,5. Oui, bien, moi. Et l'autre, ils en ont 20. Mais si on a un abîmiste, on a 1 jusqu'à 16,5. Oui, pareil. Il est dans ce pays. 1 plus 4, il y a des dollars à 45. Mouzito était premier ministre. Na Kabila. Ce sont eux qui ont pris les dollars de 45 jusqu'à 7,5. On n'en parle pas. Ce que ceux qui toquent en termes, il y a un pourcentage. Vous calculez. Vous allez voir combien de pourcents. On doit arrêter. Bah, les gens qui sont sous Nico, ceux qui n'ont pas procureur, pré-livre, maman Olive Lembe Kabila. Ouais, le procureur du peuple. Procureur du peuple, puis Abima, là, Tchibala, il travaille avec Tchibala. Tchibala lui donnait les 2000 francs pour prendre les transports. Et jusqu'aujourd'hui, il est avec Kabila, qui n'a pas besoin de passer un bon goût. Ça, ça coûtait combien? Moi, je demande à ces messieurs, ils nous disent qui a pris les dollars de 45 jusqu'à 16,5? C'est leur chef? Autorité morale, la Bango Joseph Kabila. Procureur Prélembe, Olive Lembe Kabila. Qui nous disent, je crois qu'il va suivre cette émission, je veux qu'il me dise, on ne peut pas tromper le peuple comme ça. Donc, on peut dire que les choses, je reviens, nous sommes honnêtes. Pour vous dire que dans l'état de Kabila, il y avait ce qu'on appelait un rideau en fer du régime. Ça veut dire quoi? Tout ce que Kabila faisait, tout était caché. Mais avec Félix aujourd'hui, tu peux passer à la télé, tu racontes des bobards, Oyembi, Obini, les autres même, Bazo qui n'écoutent pas insulte. Bazo qui n'est pas n'ayant allié Foufou, allié quoi. Mais dans le temps de Kabila, nous sommes des journalistes, on sait ce qui se passait. On arrêtait les gens. La masse, Oyo, il y a Nana Basangu, Basengaka. On nous a coupé. Moi, j'étais journaliste à CCTV. Bakate la biso signal. Notre directeur est allé demander à Mende. Mende, pourquoi tu as le biso signal? Pourquoi? Alors, il fallait tout gâter la biso. Mais qu'est-ce qui justifie cette coupure, il signal? Rien. Donc, c'est pour vous dire que les régimes de la peur, de la terreur, aujourd'hui, les choses sont libéralisées. Au moins, aujourd'hui, policiers, bon, on a qui? Policiers, bon, Mimoutou, bah, jugez-yo, en flagrance, on te met, bah, jugez-yo, sur le coup. Mais t'es un Kabila, ceux qui va jugez-yo, mais ce qu'on dit, Mathieu, on a garage. Après, l'exemple est à Bouchard, 32 millions à SNEL, Balongo Laye, ma directeur à cabinet à président. Si quoi, il y a un non. Ah, oui, bah, tu n'étais pas un officiel. Maintenant, Mathieu, au président de l'Assemblée nationale pour Iba, très bien. Vous voyez la différence. Or, avec Fati, ce n'est pas ça. Avec Fati, vous voyez, il y a des arrestations par-ci par-là. Merci, président. Parlons un peu de la diplomatie de chef de l'État. Autonomie, la révolution, un bon cas, la sommeil, tout ça, les mains et tout. Mais quelque part, peut-être autonomie, la relation, il y a RDC, il y a Rwanda, apparemment, c'est plus comme avant. Et donc, un acteur politique, que pensez-vous? Les relations avec les Rwandais. Ouais. Bon, vous avez, dès la prise des fonctions, le chef de l'État a dit il veut avoir une bonne relation
avec tous ses voisins. Nous avons 9 voisins. Maman, nous avons 9. Sur les 9, ceux qui m'ont voisin se comporter comme un état voyou. C'est comme ils ont continué. Ceux qui m'ont lobby avant. Avant, c'est parce qu'ils avaient des intérêts ici. Ils faisaient n'importe quoi. Et puis, on a suivi Kagame dernièrement. On a parlé à la chef d'État au Baye par rapport à sommet en ligne à Badre et Addis Abeba. D'ailleurs, présentement, c'est le président qui préside Nigeria. Mais il y avait combien de pays? On a cité les noms de combien de pays? Ouganda, Burundi et autres. Mais si Museveni est venu, le président burundais est venu, le président angolais est venu, le président Sassou est venu, tout le monde. Mais Yomoko y était. Donc, la diplomatie de Fatih a réussi. Parce qu'il a convaincu tous les autres. On comprend que yo, osana esprit na yo, yango a été. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que, puis Kagame dit, on nous dit que oiseau menacé à côté de la Congo. Lorsque Kagame est entré dans notre pays, est-ce qu'il nous disait? Mais pourquoi les lois volo? On sait ça, bah, farce. Et on comprend que toutes les facilités qu'il avait par rapport au régime précédent, osana ngoté. Vous comprenez, vous avez, on a suivi dernièrement, bah, il va perdre 40% à marcher dans Bango. C'était du jour quoi. Au sérieux, le président a fait appel à beaucoup de Congolais, même surtout bah, militaires et tant d'autres, à conscientiser Bango. Maintenant, on va comprendre qu'on n'a qu'un seul pays. C'est seulement la RDC qui nous, que nous avons comme pays. Alors, par le fait que moi, sérieux et côté, c'est pourquoi vous voyez l'attitude du Rwanda. Et puis, soyons sérieux. Mais il va prendre toutes les dispositions. Là, ce sont des faces. D'ailleurs, ce que vraiment, on l'a dit, le langage hein, diplomatique, bien, ou à toi, ça, la relation internationale, tu comprendras que le Rwanda est isolé diplomatiquement. Parce qu'il y avait combien de pays, et combien sont venus, et combien ne sont pas venus. D'ailleurs, lui, il s'est fait représenter par son premier ministre. Mais tous les autres chefs d'État sont venus. Donc ça, c'est la distraction. Kagame doit arrêter de distraire les gens. Il doit s'occuper de son pays, faire ce qu'il a à faire. Nous, en tant que Congolais, on n'a rien contre le peuple rwandais. Mais on n'oublie pas l'air, ce que leur chef nous a fait. L'oubli, c'est trop dire. Hein? Attends, il y a Papa Lutumba. Alors, il y a Kolimbi Samoto. Il a dit qu'il y a beau sanité. Mais nous sommes des pacificateurs, on veut la paix. Merci, Président. Parlons un peu à proposition et à modification de constitution. Moi, je suis un Steve Mikai a proposé qui. Qui conseille ça? Bon, en tout cas, on ne peut pas empêcher un Congolais de réfléchir. Hein? Mais nous, en tant qu'IDP, nous ne sommes pas pour cela. Okay. On s'oppose. Mandat est comme on a 5 ans et comme on a 7 ans. Non. Ça, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Toza quoi appuyer en côté. Mais par contre, j'appuie Steve Mikai concernant d'autres institutions budgétivores. Hein? N'est-ce pas, c'est ça, Nini, Baba. Hein? On ne voit pas de quoi on bénéficie. Vous voyez, Macky Sall a supprimé Nini. Hein? Bazoa, décision, supprimer, c'est non. Comme il est non dans la TGV, quand même, il y a même dans la télévision avec des maquettes à Lukuta, ou comme dans la TGV, il y a des cabinets. D'abord, il y a un train à Kalizala qui va supprimer. Regardez, ça c'est, la race des vipères. Donc, je les appelle des. Comment on les appelle les termes m'échappent. Donc, ce sont des gens qui sont venus que pour détruire. Vous comprenez? Il y a un train à Kalizala, il y a des arrachés. Or, TGV. Mais regardez, au Sénégal, Macky Sall a fait que le fait qu'il va supprimer l'institution Moussousou, où ils ont coupé ça, Bango, et des Bango, les lobes, ils ont TGV, ils ont beaucoup avancé. Et Bango, on a affecté, on a mis ça dans notre secteur, on a été agriculture, et ainsi de suite. Alors, par contre, c'est ce que j'ai dit, j'appuie un peu l'idée à Kolo Baké, va essayer de mettre fin à l'institution Moussousou. N'est-ce pas l'Assemblée provinciale ou alors hein? Regardez beaucoup de députés. Mais présentement, nous ne sommes pas encore là. Parce que nous ne sommes pas venus au sommet de l'État pour faire comme les autres. Ou bien faire moins que eux. Non. Nous sommes venus faire différemment. Travailler différemment. Ils sont libres de réfléchir comme ils l'entendent. Mais pour nous,
Moi, du côté où je suis un peu d'accord, c'est concernant l'institution Moussousou Bidiativore, où ils ont l'air bon à l'État, pour rien. Or, on a beaucoup affecté, on est une agriculture, donc il y a une infrastructure, va continuer que ça va travailler à réhabilitation, pourquoi pas, que ça va nous aider à Moussousou, que ça va nous train, ainsi de suite. Je crois que ce serait très bénéfique pour le peuple congolais. Merci, Président. Tout le monde a bien été en bon régime des eaux. Bonjour, on a maïsaté le Cameroun. Et Bandi, l'autre est Bandi Kala, depuis Nathan ou Yakabila. Donc, depuis, tout comme il y a Nassari et Afati, tout comme il s'est dit qu'il y a le Cameroun et pour vous ramener, jusqu'à là, ils ont changé. Le troisième jour, on a maïsaté. Ouais, bon, en fait, nous avons aussi gâté Nazan à Gombe. Tout ça, là, qui est effectivement deux jours. Moi, il y a Bandi Gombe depuis l'Obi. Mais il faut que les gens comprennent. Que depuis temps belge, les Belges avaient construit les châteaux d'eau pour une population bien déterminée, un nombre de populations bien déterminées. Mais c'est fait que la population s'est multipliée, ce qui par 100. Aujourd'hui, à Kinshasa, on nous parle de 15 millions. Or, tant qu'on va salaire, on va salaire pour 600 000 personnes, même 6 millions, ça pouvait suffire. Mais depuis que Fatih est là, peut-être que c'est l'information que les gens ne détenaient pas. Mais tu connais Namakambo, ce qui a les Maïmou, comment on appelle ça? Les Maïmou. Kuna Bazo, ça, la château d'eau. Bolani, vous voyez, il y a mais, ce qui est OK dans Kanchati, va sali château d'eau, mini éco. Ça va desservir à tous les Kinois. Donc, bah, tu as. Ti. Bah, cité verte, maman Mobutu, tout le monde aura de l'eau. Donc, Fongoli Boemai. Donc, château Anna est avancé. Alors, il fallait travaux Moko Basala. C'était prévu il y a deux semaines, passées, une semaine, je crois. Bon, peut-être que ça n'a pas eu lieu. Parce qu'on prend de l'eau au fleuve. Alors, c'était dû à ça. Non, mais l'eau, mais en attendant, les travaux sont en cours. Mais je crois que l'Anda, il n'y a pas longtemps, les DG de la régie des eaux à Kedlaï Kosala. Mais bon, l'Anda, vous avez un journaliste, vous informez à Batounsous, vous allez voir que là-bas, château Anna, les travaux sont en cours. D'ailleurs, c'est presque. En tout cas, au moins 80%, 90%, il y a des travaux et ça a déjà entamé. Et dans peu de temps, je crois que le président va procéder à l'inauguration. Et après, tout le monde aura de l'eau comme d'habitude. Et on est en train de voir aussi les cas de la SNEL. D'ailleurs, nous, c'est pour vous dire que le président, Ayaki, c'est un monsieur de bon cœur. Peut-être il est victime, il y a Moté Manaé. Kabila a fait partie tout le monde. Hein. Je parle de Kabila. Laurent Désiré, quand il est venu, la plupart avaient Mobutu. Il a mis d'autres personnes. Mais Fati travaille avec les mêmes personnes. Mais un monsieur comme celui de la SNEL, là, il devait être parmi les premières personnes qui devaient partir. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il soit là jusqu'à aujourd'hui. Boto Vautu qu'on lancé demande à candidature. Tu vas aussi postuler, la poste il y a DG, DGA, la PCA, y compris la régie des eaux, la FONER, ainsi de suite. Et nous pensons que les choses pourront changer dans ce sens. Mais avec la SNEL aussi, nous pensons que cette dynamique est que ça est boostée, courant, ma camo courant, peut-être qu'il y a un peu le bosso, quand même on a encore pas mal de difficultés. Merci Président. Toujours qu'il y a une manière vers la fin de notre émission. Parlons un peu en ce qui concerne Kimbo Peto. Kimbo Peto, bon, tout le monde est qui m'a envoyé à Jasmine Bobila, à Sylvie Bonkobès, bah, influenceur, ou bah, aussi Liban Amboka, ou bah, Kobinawa et tout ça. Est-ce que c'était toujours important et que l'on a place Bazali pour la possibilité de tout le monde en avoir été avec Kimbo Peto? Ok, merci beaucoup. Okay. D'abord, ceux qui m'ont dit bien, les gens des officines, Bazui Nignon Akimbo Petou, ils ont mis sur la jupe de la femme de ceux qui grand-père. Mais grand-père, il n'y a pas que lui. On prend des stars partout. Moi, je ne suis pas venu défendre Ngobila. Mais j'ai dit quand même en toute vérité. Bastar, on a mis sur la question de la Mboga Moussous. Bon, on a dit. Fali, on a outil dans le Cameroun. Non, non, qu'on s'entende un peu. Fali a été appelé
na inini inauguration ya Cameroun. Pourquoi on n'en fait pas un problème? Gampé, c'est une star en Côte d'Ivoire et l'autre. Mais peut-être pour dire qu'il y a quelque chose na nini on a ni abopetu. C'est quoi? On appelle ça Kin Bopetu. Kin Bopetu, ça n'a pas de la raison d'être. Vous comprenez? Si tel était le cas, mais au moins j'ai suivi, il y a certains qui disent non, il s'est rétracté. On avait dit qu'il était venu sur invitation du gouverneur. Après, j'ai suivi Batualobio en cadre et à jumelage. Entre mes jumelages, on sait comment ça se passe. Mais ce qui est vrai concernant côté Abastar, nos stars aussi sont invités. Pas plus tard qu'il y a quelques, une semaine. Nos stars sont invités. IGF Abengi Babastar Nyonso. Mais pourquoi c'est mon pour Bimaliban et Mbouka Kozoa? Parce que Mbouka, on a peut-être écrit pour aider pour la Kamoussou. Pour la Nika Kofuta, et qu'il y a une musique. Non, j'ai dit ceci. Si quand vous fallez Babenga qui est, pour la Nimbouka qui est dans la Cameroun, il ne faut pas, vous savez, il y a un système dans notre pays. Et ça, c'est venu avec les faillouristes. De diaboliser toute initiative. Donc, rien reconnaître, rien accepter, tout est mauvais. Hein? Les Nyosoro, comme on les appelle. Donc, tout est mauvais. Non. Mais tant qu'on fallait qu'il y ait un Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'au Cameroun, il n'y a pas la femme ici qui a chanté avec Kofi, c'est qui? Non, il y a une dame que je connaissais. J'ai oublié le nom. Dipanda, c'est pas Dipanda. Dipanda. Voilà. Mais il y a beaucoup de stars au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Fali? Parce que Batali, quand même, que. Non, moi, on va aller au Soka Koti, ça peut au moins changer. Non, ils ont des stars. Mais je ne dis pas que s'il était venu que pour Kin Bopetu, alors là, il y a un peu un problème sérieux. Mais on ne peut pas l'empêcher. S'il était venu pour autre chose, pour ça, là, concerne Naé. Ça ne pose pas de problème. Nous aussi, nos stars quittent et ils vont ailleurs. Il n'y a pas plus tard qu'il y a au moins une semaine ou deux semaines passées, IGF a Bengi Bast, y compris les Tchalamoines, les Josephistes, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre Kabiliste et Josephiste. Kabila Mouzé est mort avec son kabilisme. La preuve, tu es sur la Mouzé, tu es pauvre, la plupart. Mais les Josephistes, ce sont des juissaires. Iba, Loka, Boma, détourné. Voilà, c'est ça la classe des Josephistes. Tchalamoana est Josephiste. Mais on l'a appelé. On a appelé tout le monde. Tant que nous sommes en trier. L'IGF a appelé tout le monde, toutes nos stars. Bah, comédien, musique en Zambé, tout le monde. Ce sont des Congolais. C'est pour ça la moindre campagne à sensibilisation concernant Koiba. Mais je pense que cette initiative n'est pas se limiter à Koiba et pas à l'IGF. Justice na bisopé, il faut avoir une initiative yabongo. Parce que présentement, on a comme l'impression que notre justice ne fait pas son travail comme il faut. Donc, dans les 100%, il y a justice na biso. En tout cas, s'ils peuvent avoir plus, c'est 30. Les 70, en tout cas, c'est l'échec. Ils doivent nous aider dans ce sens-là. Et maintenant, comme l'IGF, avec les stars, tant qu'on va Noyemba, Bakangi Mouibi, tenez justice. Si la justice ne fait pas son travail, nous allons faire pression, demander à ce que les juges et autant d'autres là qui seront impliqués dans le détournement ou la corruption ou je ne sais pas quoi, qu'ils soient déférés devant la justice ou bien démis de leurs fonctions pour qu'on mette fin à des aventures comme ça. Jusque-là, dans notre pays, il n'y a que la justice qui ne marche pas. Ça, c'est tout le constat de tout le monde. Ouais. Et quelles sont les mesures adéquates pour la campagne? Pardon? Je dis quelles sont les mesures adéquates pour ce que tu venais de parler, pour la justice. Bon, les mesures, c'est la conscience, hein, prise de conscience. Il y a un juge, Nabiso, magistrat. Ils doivent savoir que ce n'est pas moi, c'est biblique. On dit la justice élève la nation, une nation. Donc, c'est à eux que revient la responsabilité. Hein, ils doivent avoir même peu de conscience. En tout cas, ça, c'est une justice vraiment. En tout cas, je ne sais pas. Il ne nous aide pas de ce côté-là. Merci, Président. État de siège. Parlons un peu de l'état de siège. Tout le monde a besoin. En tout cas, l'état de siège, pour moi, c'est une très bonne chose. La preuve, on avait un militaire chef de l'État dans ce pays. Il n'a même pas fait un jour. Attends, état de siège, il y a un jour à Salamode. Attends, il y a une semaine. Mais aujourd'hui, au moins, il y a des gens
Vous avez appris que vous avez récupéré qui comment vous avez récupéré Nani Aero. Au moins, il y a des gens qui pleurent, il y a des lamentations, il y a des Kagame. C'est venu quelque part par le fait qu'il y a eu état de siège. État de siège, ça. Ça a apporté beaucoup. Aujourd'hui, aéroport, ce qui a beaucoup, on va récupérer les gens qui Zamba. Donc, pour nous, on va minérer, on va et qui est Rwanda. On a récupéré cet aéroport. Il y a eu même les garçons là, les Kenyans. Où est Banda? Il y a Banda qui est arabe, qui est arabe, il a été arrêté. Bon, on ne peut pas parler. Et beaucoup de nos frères. Alors, vous voulez que l'état de siège ne puisse pas avoir lieu? Pour donner l'occasion, parce que même les Josephus, la plupart, dans le groupe, ils étaient impliqués. La preuve, moi, ça qui Bango. Je demande à nos députés nationaux, pardon, Bolongo dans le groupe armé. Ils savaient, on était les informations. On sait, ceux qui sont contre, ce sont des gens qui profitaient de cette situation-là. Mais c'est vraiment criminel. On doit tuer tes frères. Bah, parce que mon gars, ton mina, tant qu'on va noter l'andakouana, on a qu'on âme et conscience. Et n'oubliez pas tous ces pays ici-bas. C'est un peu ça. En tout cas, nous appuyons l'état des siège. Merci président, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mot de la fin et puis quelques questions. Merci beaucoup, mot de la fin. Nous, l'IDPS, on se prépare. Nous sommes prêts. Mais on veut être très prêts de nos bases et prêts pour tout. Je tenais aussi à remercier tous les membres de notre cellule. La section de la Gombe, hier, nous avons eu une visite surprise. Il y a des hauts nationaux à Babia, notre président sectionnaire Albert Boula, Bayaki, qui commande les visites. Et ça nous a vraiment réconfortés, ça nous encourage. Mais quant à nous, nous nous préparons, cap 2023. Merci, président. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, c'est l'heure de réflexion. Je vous remercie beaucoup, le président de l'Etobeti, beaucoup de masolo dans l'Italie politique, Donc voilà, moi et vous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова